Mesdames et messieurs, l'appel de Dieu en ce jour est offert à chacun d'entre nous. La destinée, alléluia, et maintenant l'appel que nous devons suivre au travers de Jésus-Christ, qui est le Sauveur et le Seigneur, celui qui s'est sacrifié au lieu de Golgotha à la croix pour effacer nos péchés. La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire qui est le péché produit la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ à la croix qui a donné sa vie, mesdames et messieurs. Alors Dieu nous appelle dans notre cœur, malgré nos souffrances, malgré ce que nous avons pu subir dans notre vie. Il est le libérateur, il est le consolateur, il est celui qui va vraiment changer votre existence d'une manière positive. Mais en plus de ça, il va vous donner la vie éternelle. Différente de nous. Il fallait un sacrifice pur. Alléluia, Jésus n'est pas né d'une façon normale comme nous, mais Jésus est né d'une façon surnaturelle, divine. Nous appelle tous dans une vie dans laquelle nous sommes. Peu importe ce que nous avons fait, peu importe aujourd'hui l'état de ta vie. Jésus a dit simplement dans la parole de Dieu, il a dit dans la Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Jésus a dit, Matthieu chapitre 11, verset 28, il a dit que nous devons venir à lui et il se charge d'effacer nos péchés. Mesdames et messieurs, Jésus-Christ à la croix a pris nos péchés. Dieu est amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé ce sauveur magnifique qui s'appelle en France Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il offre à chaque être humain sur la planète Terre le paradis à quiconque veut s'approcher de lui et l'accepter dans son cœur. Celui que le Créateur a envoyé, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, il vient frapper à la porte de votre cœur dans cet appel. Moi, je ne suis rien qu'un homme, comme les autres. Amen. Mais je connais un Sauveur qui va revenir bientôt, dit la Bible. À la fin des temps, il reviendra prendre tous ceux qui l'auront accepté. Aujourd'hui est le temps de vous approcher de lui, mesdames et messieurs. Avec amour, il vous appelle. Car Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé Jésus-Christ à la croix pour vous sauver, moi, vous. Car moi aussi j'étais perdu dans les ténèbres. Moi aussi mes péchés me condamnaient. Mais le Sauveur que Dieu a envoyé, Jésus, a effacé mes péchés à la croix. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité pour toi, mon frère, ma soeur. C'est l'opportunité pour toi d'accepter ce Sauveur. C'est un don gratuit, la Bible dit. Hein, quelque chose que Dieu a offert à l'humanité. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. C'est pourquoi Dieu m'utilise aujourd'hui humblement. Je ne suis rien qu'un homme imparfait. Mais je viens vous communiquer le message de la Bible. Le message que Dieu veut vous adresser aujourd'hui. Amen, amen. Parce que Dieu vous aime.
Dieu a envoyé Jésus pour vous à la croix. Il ne l'a pas envoyé pour vous condamner, la Bible dit. Mais il l'a envoyé pour sauver le monde. Amen. Parce qu'il est le sauveur du monde. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est celui qui croira en moi et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Allez. Mais celui, malheureusement, qui ne voudra pas accepter, la Bible dit que Satan, le diable, a ramené cette malédiction pour condamner l'humanité. Alors, nous devons faire un choix. Le récit que je viens de vous parler dans Marc chapitre 16, verset 16, dans la Bible. Dieu vous appelle, il vous aime, et il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés, dit la Bible. Amen. C'est un choix personnel que nous devons faire. Combien de temps nous reste-t-il à vivre sur cette terre, mon frère, ma sœur? L'horloge du temps tourne. Un jour, malheureusement, elle va s'arrêter. L'Apocalypse dit qu'il a annoncé un évangile éternel aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus. Alléluia. C'est le Seigneur, le Créateur que nous connaissons. Il se manifeste et il annonce son message